déjà. À vous tous qui êtes en train de nous suivre en direct à partir de Kinshasa sur Power Channel, vous êtes connectés sur Joël Francis Tatou TV sur YouTube. Bienvenue à notre programme annuel. C'est le deuxième plus grand programme de l'église Porte de Cieux qui s'appelle Recharge 21. Recharge 21, c'est 21 jours de prière. Ça commence généralement au début du mois d'août jusqu'à la fin du mois d'août. Et pour cette édition de Recharge 21, c'est-à-dire Recharge 21 jours de prière de 2023, nous avons pour thème Grand Esprit, qui sera développé par notre père, le prophète Joël Francis Tatou. Et spécialement pour cette édition de Recharge 21, nous avons par la volonté du Saint-Esprit et grâce au leadership de notre Père spirituel, voulu maximiser les temps de la prière pour avoir à midi, ceux qui nous connaissent savent qu'à midi, nous avons nos programmes de prière qu'on appelle Guerre des Midi, qui commence à partir de 12h juste jusqu'à 13h30. Nous avons la grande plénière qui va commencer à partir de 16h jusqu'à 20h. Et la nuit, nous avons des minutes à 1h. La guerre des minuit. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en Europe, vous êtes en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Nous savons que nous sommes très suivis sur les réseaux sociaux. Nous savons qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, sur YouTube, sur Facebook et sur toutes nos plateformes, nous sommes suivis à Brazzaville, même à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? En train de nous suivre, acclame les seigneurs. Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Depuis l'Haïti, acclame le Seigneur là où tu es. Depuis la France, acclame le Seigneur là où tu es. Depuis la Côte d'Ivoire, acclame le Seigneur là où tu es. Alors que la technique est en train d'arranger le son, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ne rate pas ce programme, acclame le Seigneur là où tu es. Mola Shaba et Nanamaga, acclame le Seigneur. Depuis la réunion, union de prière, ok. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Melarabaya. Depuis la France, depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, depuis Kolwezi, depuis la Martinique, que Dieu vous bénisse. Vous êtes où? Vous nous suivez depuis où? Nous pouvons acclamer pour nos frères qui sont connectés. Depuis le Togo, depuis Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Depuis la Zambie, je connais bien la Zambie, j'ai déjà été plusieurs fois. Que Dieu vous bénisse. La grande famille du Gabon, Banaba Gabon. Ah, depuis l'Allemagne. Depuis la Chypre, depuis le Cameroun, depuis Paris, Chypre Nord, ok. Depuis Brazzaville, depuis la Côte d'Ivoire, oh, à Kwaba. Depuis la Belgique, depuis le Bénin, depuis le Canada, wow. Wow, welcome, welcome, welcome à Recharge 21. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Hébreux 10, le verset 23. Hébreux 10, le verset 23. Hébreux 10, le verset 23. Nous allons lire. Je vais lire pour vous. Nous sommes dans Hébreux 10, le verset 23. Alléluia. Nous disons merci à notre Père spirituel pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être là devant vous sur ces plateformes. Nous passons en direct sur Joël Francis Tato TV, mais aussi nous sommes sur Power Channel. Un grand merci à l'homme de Dieu, notre Père spirituel, et nous voulons aussi par là dire merci à notre Mère spirituelle, Maman Simiane Tatou, pour la confiance renouvelée à notre personne. Que votre Dieu nous fasse énormément du bien et que votre Dieu vous garde. Amen. Nous sommes dans le livre de Hébreux 10, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En ce premier jour de Recharge 21 en 2023, nous voulons prier comme premier point de prière. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Hébreux est en train de dire, retenons fermement la possession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On n'a pas dit que celui qui a fait la promesse est un avocat. On n'a pas dit que celui qui a fait la promesse est un banquier. On ne dit pas que celui qui a fait la promesse est un juge. Mais on dit plutôt que celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que là où tu es connecté à l'autel de la prière ce midi, tu peux commencer à battre les mains pour dire à Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Hey. Merci pour ta fidélité. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour Recharge 21. Tu es en vie, Dieu est fidèle. Tu es en train de nous suivre sur Power Channel, Dieu est fidèle. Tu es connecté sur YouTube, Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux prier? Nous te rendons grâce pour ta fidélité, parce que tu accomplis toujours tes promesses. Oh Dieu, merci pour l'accomplissement des promesses
en cette édition de Recharge 21. Nous te disons merci parce que mon frère et ma soeur va voir l'accomplissement de tes promesses. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Et là, Magabaya, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle pour la MAPRE. Tu es fidèle pour la porte des cieux. Tu es fidèle pour ma vie. Tu es fidèle pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Oh Dieu, nous t'acclamons pour ta fidélité. Pray. Zabaga et la Gabaya. Oh Dieu, en ce premier point de prière, nous voulons dire que tu es fidèle. L'accomplissement de tes promesses est fait à cause de ta fidélité. Et Amana, Shalabaya, Shoroborobodo, Rabababa, Sabababa, tu es fidèle. Tu es fidèle. Quelqu'un dit Dieu, tu es fidèle. Quelqu'un dit Dieu, tu es fidèle. Même s'il t'a donné la promesse au début des années 2000, même s'il t'a donné la promesse vers les années 1999, même s'il t'a donné la naissance, la promesse a fait 20 ans, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je veux que tu le saches, même au travail, toi qui es connecté, il est fidèle. Oh, il est fidèle. In the name of Jesus. Au nom de Lamentation 2, le verset 17 dit ceci. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Haya. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie. Et je m'arrête là. Je répète, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Tu vas prier avec moi ce deuxième point de prière. Seigneur, exécute ce que tu as résolu pendant Recharge 21 dans ma vie. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Tu vas commencer à battre les mains. Tu dis, nous croyons fermement que Dieu va exécuter sa parole. Il va achever ce qu'il a commencé. Il va achever ce qu'il a commencé. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous croyons que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Je le crois au nom de Jésus. Nous croyons que la Bible qui dit dans Lamentation 2:17, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Oh Père, alors que nous te prions pour Recharge 21, en ce premier jour, en cette session d'ouverture, exécute, ô Père, par ta grande puissance, par ta main puissante, la résolution des choses que tu avais déjà arrêtées pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Moule baya kapaya. Et le gabada gabaya. Oh Dieu, les uns auront la délivrance, d'autres auront la guérison, d'autres auront la visitation, d'autres auront la restauration. D'autres vont rebâtir, d'autres vont croître. Exécute, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que ton peuple est en train de battre les mains, est en train de prier. Les Saka, Moulekabaya, Zandele. Prions. Ila, Zabala, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sarabaya, Rabababa, Robobobosha, Rebebebeya, Sarababaya, Soroboboya, Sherebebe, Rabababa, Rabababa, Sane, Para, Roba, Shaka, Raba, Kere, Robo, Shere, Kara, Zobo, Parade, Shereba, Irena. Sura. Au nom de. Acclame le Seigneur une fois. Acclame le Seigneur deux fois. Acclame le Seigneur trois fois. Est-ce que quelqu'un peut me donner. Au nom de. La Bible déclare. Je suis dans le livre de Ésaïe 41, le verset 10.
La Bible déclare, ne crains rien, car je suis avec toi. Haya. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Point de prière. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as fermé, de ce que tu es avec moi. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Quelqu'un va battre les mains, dire, Seigneur, merci, parce que tu étais avec moi depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, tu es avec moi. Je bats les mains, je prie, je sais que mon Dieu est avec moi. Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es avec ton peuple. 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 Parce que tu es avec nous. Oh, Molo. Saba. Karabaya. Shanaraba. Sorabara, Kerebebe, Korababa, Sonorobo, Kerababa, Shara. Nous te rendons grâce parce que tu es avec moi. 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 Pendant Recharge 21, tu es avec moi. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Araba, Araba. Tu es avec moi. Comment? Par ta droite puissante. Je dis à quelqu'un, pendant cette période de recharge, la droite puissante de Dieu est avec nous. Ici à l'église Porte des Cieux au quartier général. Pendant ce programme, au studio de Power Channel. Pendant ce programme, à la guerre de midi. Pendant le plénière. Pendant la guerre de minuit. La droite puissante de Dieu est avec chaque famille qui sera connectée pour prier. Hey. Tendez-les. Zandez-les. Chereba. Au nom de la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 45, 2 à 3. Ésaïe 45, 2 à 3, la Bible dit ceci. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins. Haya, mon Dieu, je romperai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Eya, Eya, point de prière. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a décidé d'accomplir des choses pendant Recharge 21 dans nos familles. Lui-même va aplanir, lui-même va abattre. Lui-même va détruire. Tu vas dire à Dieu merci parce qu'il y a des choses que tu vas accomplir dans ma vie. Il y a des choses que tu vas accomplir dans ma famille. Il y a des choses que tu vas accomplir. Bah, les mains, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Il y a des choses que tu es en train d'accomplir dans ma famille. Il y a des choses que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Je te rends grâce pour des choses que tu as accomplies à la porte des cieux. Je te rends grâce pour des choses que tu as accomplies avec la marbre. Au nom de Jésus, il y a des choses. Aya. Zaba. Sora. Shakapaya. Senebaya. Soraba. Sorobo. Karaba, Sonoro, Sorobo, Sharaba, Sabara, Karaba. In the name of Jesus. Kuraba. Au nom de, acclame le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je veux voir les acclamations. Acclame le Seigneur là où tu es. Maramasia,
Saba. Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. Royalement, acclame les seigneurs. Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. Au nom de... La Bible déclare dans le livre de Josué 3, le verset 5. Josué est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit ceci. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué, il est en train de diriger le peuple d'Israël. Il leur dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant Recharge 21, sanctifie-toi, parce qu'au milieu de nous, pendant Recharge 21, l'Éternel va faire de grandes choses. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Sanctifie-toi, car pendant Recharge 21, l'Éternel va faire des prodiges. L'Éternel va faire des prodiges. Tu es connecté, tu es en train de nous suivre. Pendant Recharge, sanctifie-toi, consacre-toi, mets-toi à part. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des comportements que tu dois abandonner. Il y a des scénarios qui ne peuvent pas être à toi. Il y a des connexions que tu dois couper. Il y a des amis dont tu dois t'éloigner. Josué dit au peuple d'Israël, demain, l'Éternel fera des prodiges. Mais pour que tu puisses voir ce que l'Éternel va faire, sanctifie-toi. Point de prière. Nous sommes en train de prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, je me sanctifie. Je me sanctifie. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à me sanctifier. Sanctifie mes pensées. Sanctifie mes paroles. Sanctifie mes mains. Commence à battre les mains. Commence à les déclarer au nom de Jésus-Christ. Nerebocha. Lève la voix. Lève la voix. C'est une opportunité que Dieu nous donne de nous tenir pendant Recharge devant sa face. Ne gâchons pas cette opportunité. C'est une opportunité. Père, nous te disons merci d'avoir agréé ce programme, de nous avoir autorisé, permis d'être dans ta présence. Père, oh Dieu, nous nous sanctifions. Molo Shaya, Ele Gagana, Lego Bosoba, Rege de Bosa, Irega Basaya, Zono Lobosha, Pane Leboshaya, Araba, Soraba, Sere, Soro, Para, prie, prie là où tu es. C'est 21 jours de prière. Tu ne peux pas te fatiguer. Est-ce que tu peux battre les mains? Je me sanctifie. Je me sanctifie. Je me sanctifie. Je me sanctifie. Et... Recharge 21, c'est une période de consécration. Nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous mettre à part pour lui. De nous mettre à part pour lui. Je ne veux pas être celui qui bloque la présence de Dieu de se manifester dans ma famille par le style de vie que je mène, par l'hypocrisie que j'affiche, par le péché qui me domine. Oh yeah. Dieu va faire de grandes choses. C'est beau. Vous qui êtes connectés, partagez la connexion. Partagez dans tous les groupes. Appelez les amis. Parce que c'est des temps de prière. Recharge a commencé. Olobocha. Tanda. Sabo. Karaba. Zaraba. Au nom de... Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame, acclame, acclame. La Bible déclare, dans le livre de Hébreux 4, le verset 16, approchons-nous donc
du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous donc du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Point de prière. Point de prière. Point de prière. Dis avec moi, mon Père, mon Père, au nom de Jésus, je suis en train d'élever ma voix. Je lève ma voix. Je bats les mains. Je demande l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit pour surmonter mes faiblesses. Pour surmonter mes faiblesses. Alors que je m'approche du trône de grâce, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Que le Saint-Esprit t'aide. Dans ce point de prière, tu es en train de prier, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Tu es au travail, tu es à la maison, tu es à l'église, tu es au marché, tu es en train de nous suivre. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Ce n'est pas par nos propres forces que nous nous approchons du trône de grâce. C'est par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu aide quelqu'un qui est embourbé dans le mensonge. Aide quelqu'un qui est enveloppé dans l'infidélité. Aide quelqu'un qui habite dans l'escroquerie. Aide quelqu'un qui travaille dans le mensonge. Alors que tu regardes les charges. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nous sommes en train de nous approcher du trône de grâce. Que le Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, nous aide à surmonter nos faiblesses. Bas les mains. Que le Saint-Esprit t'aide à surmonter les faiblesses. Faiblesse de la colère. Faiblesse de la haine. Mosopaya. Soroboga. Pray. Pray. Est-ce que tu peux battre les mains? Sama. Sabala. Suraba. Sheneboya. Sabaraba. Kurabaya. Senereba. Sonaraba. Surababa. In the name of Jesus. Suraba. Karaba. Suraba. Bas les mains une fois. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, le verset 11. Oh Seigneur. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Point de prière. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Réponds bien. Dis, grâce au Saint-Esprit. Nous sommes au premier jour de recherche. Je veux que tu sois concentré. Balle me dit, grâce au Saint-Esprit. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je reçois la force. Je reçois la force. Je reçois la force dans mes pensées. Dans mon corps, de me tenir debout dans la prière pendant recharge 21. Au nom de, bah les mains commencent à prier au nom de Jésus. Je reçois la force. 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 Grâce au Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oh Dieu, puisque le Saint-Esprit habite en moi, je reçois la force. Je reçois la force dans mes pensées. Je reçois Mala, Zorobo,
Emara Zaba Kara Raba Soraba Rabada Karababa Porobosa Regege Zoroboya Porabaya. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force dans ton esprit. Reçois la force. Reçois la force. L'environnement dans lequel tu es ne peut pas te dominer. Reçois la force. Karaba, Sana, Sora, Poraba, Shedebo, Rebebe, Korobo. Reçois la force. Et là-bas. Reçois la force. Saya, pray, pray. Karaba, Soraba, Sherebo, Sora. Au nom de, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18. Écoute ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Aïe, que Dieu bénisse celui qui a acclamé. Nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Ha. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Le thème de Recharge 21, c'est grand esprit. Et le plus grand esprit que la terre a reçu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Napoléon n'a pas un esprit comme Christ. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. L'esprit de Moïse n'était pas comme l'esprit de Christ. Donne-moi un amen. L'esprit de tous les prophètes qui sont venus ne sont pas comparables à l'esprit de Christ. Le grand esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le grand esprit qui est Christ? Acclame le Seigneur. Au nom de... Mais la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3 que nous venons de lire ici, que nous sommes changés à la même image. Nous sommes changés à la même image. Dis avec moi, mon père, mon père. Allez, mais dis avec moi, mon père, mon père. Au nom de Jésus. De la même manière que la Bible déclare, puisque nous contemplons Christ, nous sommes changés à la même image. Je déclare, au nom de Jésus, mon esprit est changé par rapport à ce qu'il était hier. Parce que pendant Recharge, mes yeux contemplent le grand esprit, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Commence à battre. Zabala, Kolobo, Kelebo. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Oh, tu ne pries pas. Prie. Prie. Priez. Saya, Soba, tu es en train de nous regarder au travail. Battez les mains, nous sommes en train de prier. Sadaba, tu es changé en la même image que Christ le grand esprit. Christ le grand esprit. Christ le grand esprit nous change. Ora, Maya, bat les mains. Mon esprit est transformé pendant Recharge, comme Christ. Moulaga, je suis changé
à la même image. Bas les mains. Bas les mains. Bas les mains. Priez. Priez. Que ton esprit se transforme. 21 jours de transformation. 21 jours de recharge. De recharge. De recharge. Pour que ton esprit se transforme. Aïe. Et la capo. Sane. Kala. Jusqu'à la fin de recharge, un petit esprit deviendra un grand esprit. Pora, Zoroboko, Ragadaba, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Là où tu es au travail, tu es oppressé, tu es dominé, tu es acculé parce que ton esprit est petit, parce que tu es en train de prier maintenant. Oh, Christ change ton esprit, transforme ton esprit, développe ton esprit. Tu deviens un grand esprit comme Christ lui-même. Sapoa, Shora, Rabba, Kora. Pray, 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 pray. Priez. La saison de devenir grand est arrivée. Au nom de, 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 un jour, un homme qui était pécheur. La Bible dit cet homme a péché toute la nuit et il n'a rien obtenu. Il a fallu qu'il fasse la rencontre du grand esprit. Le grand esprit, si je parle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu à la rencontre de Pierre, là où il avait échoué, là où il n'avait pas de résultat, il a été au contact du grand esprit. Et grâce au contact du grand esprit, les résultats se sont fait voir selon les orientations du grand esprit. Nous sommes en train de prier. Pendant Recharge 21. Là où tu avais échoué, là où tu as des problèmes dans ton mariage, là où tu as des problèmes dans ton travail, que Christ te rencontre comme il avait rencontré Pierre. Mon Dieu, avec lui, que les situations compliquées changent au nom de Jésus-Christ. Celui qui me donne un amen, reçoit sa part. Tu n'as pas donné les meilleurs des amens. Celui qui me donne un amen, reçoit sa part. À connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. J'ai envie de rajouter, à compétence égale, c'est le grand esprit qui domine. Oh mon Dieu, à compétence égale, c'est le grand esprit qui domine. Tu vas dominer. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Commence à battre les mains, commence à les déclarer au nom de Jésus-Christ. Sara, Poraka, Poranemaska, Sobarake, Ponerika Bosha, Raka, pray, pray. In the name of Jesus, je suis en train de prier pour toutes les personnes qui sont connectées. Sarabara, Sorabara, Sorabara, Sorobo. Sorobo, Shara, Sharaba, Karaba, Sora, au nom de, au nom de, au nom de, acclame une fois. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 3, le verset 10. Je lis ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Afin de connaître. Afin connaître. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ.
pendant recharge. 21. Mon esprit va connaître Jésus-Christ. Oh, tu ne bats pas les mains. C'est une opportunité que Dieu te donne. Dis avec moi, pendant recharge 21, mon esprit va connaître Christ. Alléluia. Alléluia. 21 jours, nous avons 21 jours de prière, de recharge pour que ton esprit rencontre le grand esprit Christ. Que quelqu'un ne déforme pas ma parole. Ne puisse pas aller dire là-bas, oh, ils sont en train de prier un grand esprit. Quand je parle de grand esprit ici, je parle de Christ. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus, pendant 21 jours, mon esprit va connaître Christ. Au nom de, 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 au nom de. Commence à battre les mains, commence à prier. Je veux connaître Christ. 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 Un avocat est en train de prier qui veut connaître Christ. Tu deviendras un avocat qui connaît Christ. Un médecin qui prie deviendra un médecin qui connaît Christ. Un juge qui prie deviendra un juge qui connaît Christ. Un commercial qui prie deviendra un commercial qui connaît Christ. Un couturier qui prie deviendra un couturier qui connaît Christ. Un militaire qui prie deviendra un militaire qui connaît Christ. Un baya, soka, raka, pola, apalamana, sonalaba, prenere. Pray, 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 pray. Sapara. Sokapa. Bas les mains. Kara. Sonde. Chara, Kara, Karaba, Para, Saya, Kora, Ira, Ara, Para, Paya, Paya. Au nom de. Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Quelqu'un a vu le spot de recharge. Il a dit, ah, mais j'espère que là-bas chez vous, il y a beaucoup de prises. Parce que nous allons venir nombreux pour nous connecter, pour être rechargés. Je lui ai dit, à l'église Porte de Ciel, il n'y a pas beaucoup de prises. Il n'y a qu'une seule prise. Il n'y a pas plusieurs prises qui te rechargent. Il n'y a qu'une seule prise qui te recharge. Cette prise, c'est la prise de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, c'est par la parole que tu vas écouter chaque session, chaque jour, que ton esprit sera rechargé. Alléluia. C'est par la parole de Dieu. La parole est complète. La parole de Dieu peut tout faire. La parole a créé toutes choses. Oh Dieu, tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, je te rends grâce pour chaque parole que je vais recevoir pendant recharge. Sois excité à chaque fois que l'homme de Dieu va monter pour enseigner. Si tu le connais depuis longtemps comme un ancien collaborateur, si tu le connais longtemps comme ton père spirituel, mais je veux que tu le vois en sachet, non utilisé. Chaque parole qui va sortir, c'est une parole que le Seigneur sort pour t'orienter. Ah! Chaque parole qui va être prononcée, c'est une lumière que Dieu envoie dans tes ténèbres. Chaque parole que l'homme de Dieu va prononcer pendant recharge, c'est une lampe que le ténèbre va déposer dans tes sentiers. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, mon Père, je te remercie. Bas les mains bien dit, je te remercie pour la parole qui est capable de me guider, de me diriger. Pendant recharge 21, au nom de, commence à battre les mains pour la parole au nom de Jésus.
Sakapaya. Rakapaya. Zalaba. Nous prions pour la parole que nous allons recevoir pendant recharge. Nous prions pour la parole que nous allons recevoir. Toutes les personnes qui sont en train de nous suivre dans le monde, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es en Asie, tu es en Amérique, prie pour la parole que tu vas écouter pendant recharge 21. Prie pour le service de la parole. Prie, prie. Saba. Prie. Prie pour la parole. Les familles seront rechargées par cette parole. Prie. L'énergie viendra par la parole. Prie. 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 Aya. Oh. Zobo. Merci pour la parole. Il a envoyé sa parole. Sa parole est guérie. Je prophétise pour tout couple qui va écouter la parole pendant recharge, qui a des problèmes, que Dieu vous restaure. Prie pour la parole. Toi qui es dans les affaires, tu as besoin d'une orientation. Que la parole qui sera donnée puisse t'orienter. Oh. Kalama. Zokapada. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Kara. Soka. Pray. Sapa. Sharaba. Toraba. Rababa. Il n'y a qu'une seule prise où tout le monde doit être connecté. C'est la prise de la parole. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Je serai rechargé par la prédication de ton serviteur. Moussa, Raka, Zora, Zabane, Zandereba, Paraba, Pura. Pray, 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 pray. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Et un homme qui était là, par la sorcellerie, empêchait le peuple d'écouter la parole de Dieu prononcée par l'apôtre Paul. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Nous sommes en train de décoller. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. T'es avec moi, mon père, mon père. Au nom de Jésus. Tout esprit envoyé depuis le nord, depuis l'est, depuis l'ouest, depuis le sud, pour m'empêcher à écouter ta parole, est paralysé. Oh, donne-moi un bon retour. Est paralysé. Est paralysé. Le diable déploie sa haute technologie. Mayakas. Ragadabasha. Radida Hatabaya. De la même manière que le ciel sur la terre est représenté par l'Église, qui est le véhicule qui se déploie pour le royaume de Dieu. De la même manière que l'enfer est représenté sur la terre par la sorcellerie, qui est le véhicule qui contrecarre les plans du royaume sur la terre. Tu vas prier, tu vas dire toute sorcellerie envoyée, libérée pour m'empêcher à écouter la parole de Dieu et paralysée au nom de Jésus. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier.
Poza, Rakaba, Shokapa, Sodara, Porakaka. Au nom de Jésus, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sorcellerie, envoyé pour m'empêcher d'écouter la parole. Saka, Paraba, Sokapa, Rakapaya, Seka, Sopa, Soda, Pray, Zande, Pora. Chaka. Tous ceux qui s'opposent à ce que tu écoutes la parole de Dieu, que cela soit retiré, que cela soit retiré, que cela soit retiré, que cela soit retiré sur ton chemin pendant cette période. Tous ceux qui t'empêchent de te réveiller la nuit pour prier, oh, cela est retiré. Kaba. Soka, Praraba, Soderaba, Pronaraba, Karabaya, Sone, Raka. Pray! Ça. Sora, Sobara, Sokapaya, Eraba, Sona, Seka, Pora, Sora, Sene, Kora, Kara, Para, Sane, Para, acclame une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au nom de... La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée, à partir du premier verset jusqu'à 7, je lis au nom de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez, que Dieu vous a donné. Je répète, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi, l'une des choses qui empêche à quelqu'un de devenir un grand esprit, c'est la peur. Donne-moi un amen bien. Parmi les forces que l'ennemi déploie pour empêcher ton esprit de devenir grand, c'est la peur. La peur de oser, la peur d'aller au-delà des limites, la peur de franchir des limites. Dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit. Bah, les mains bien. Dis avec moi au nom de Jésus. Kaya. Dis avec moi au nom de Jésus. Je m'oppose contre tout esprit de timidité qui m'empêche de devenir grand. Au nom de la peur. La peur. La peur. Mais lâche. Mais lâche. Mais lâche. Mais lâche. Continue à battre les mains. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui sont connectées, qui sont liées par l'esprit de la peur. Peur par rapport à leur mariage, peur par rapport à leur santé, peur par rapport à leur business. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la peur te lâche, que la peur te lâche. Pray! Sarah, Rabba, 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 Rabba. Sara, Kora, Shekaba, Sokara, Karaba, Sanara, Kapaya, Aparamaya, Narabaya, Sora. Au nom de, au nom de, acclame une fois, acclame deux fois.
Acclame trois fois. Acclame quatre fois. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la force de prendre des bonnes décisions. L'une des choses qui va te permettre de devenir un grand esprit, c'est la capacité de prendre des bonnes décisions. Ah, ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Le diable nous empêche de prendre les bonnes décisions par toute une armée, une organisation qu'il a mis tout autour de nous, qui a infiltré notre environnement et qui nous pousse à prendre toujours de mauvaises décisions. Tu es leader, tu me suis d'une église. Tu es connecté, tu es en train de nous suivre. Tu sais que c'est une décision que tu dois prendre pour le bonheur de ton assemblée, mais tu ne le prends pas. Tu es chef d'entreprise. Tu as commencé ta petite société. Tu as ton start-up. Tu sais que tu dois prendre cette décision-là, mais tu ne la prends pas. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je reçois la force de prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bats les mains, je déclare au nom de Jésus qu'à cause des bonnes décisions que je vais prendre pendant Recharge 21, le Seigneur m'amène au lieu de l'accomplissement. Au nom de, commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Lifaran. Sada. Soka, Saka, Soda, Soda, Bora, Soda, Soka, Kara, Soba, Soka, Para. Au nom de, acclame une fois, acclame deux fois. L'ennemi de la prière, c'est le diable. Le diable n'aime pas la prière. Quand tu commences à prier, sache que le premier adversaire que tu auras en face de toi, c'est le diable. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Dis avec moi, mon père, au nom de Jésus, en ce premier jour de recharge 21, je prie pour la protection divine. Dis avec moi, mon père, alors que je bats les mains, je déclare que je suis protégé pendant Recharge 21 de toute forme d'attaque, de retour du monde des ténèbres contre mes prières. Je suis protégé de toute flèche envoyée par le diable contre moi. Parce que je suis en train de prier. Au nom de, je déclare. Oh, suis-moi, dis, je déclare. Je déclare. Ma famille est protégée. Mes enfants sont protégés. Mon mari est protégé. Ma femme est protégée. Mes neveux sont protégés. Mes nièces sont protégées. Mes cousines sont protégées. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, je bats les mains, je déclare toute montagne qui s'oppose
à notre avancée, à notre développement, est effacé, est effacé, est effacé. Balé m'a dit, est effacé, est effacé, est effacé, au nom de... Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Kadama, Sadaba, Sirababa, Rabababa, Sadabababa, Rabababa. Pray! Au nom de... Acclame une fois, deux fois. Acclame le Seigneur là où tu es. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce verset-là que l'Église a reçu de la part du maître, le mandat de la grande commission, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Et dans l'organisation de l'Église, corps du Christ, et même de chaque Église, il y a des églises qui accordent une place stratégique importante aux missionnaires. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas que chez nous. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas simplement dans votre assemblée. Dieu n'est pas que ton Dieu. Il est le Dieu de toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour les missionnaires qui sont en mission. Donne-moi un amen bien. Tu vas prier pour toutes ces personnes qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur ville et qui sont en train de propager la bonne nouvelle de Dieu partout dans le monde. Les uns sont dans des villages. D'autres sont dans le Sahara, d'autres sont dans le Moyen-Orient, d'autres sont en Inde, d'autres sont en Chine, d'autres sont en train de prier dans les églises souterraines, d'autres sont oppressés, d'autres sont arrêtés. Tu vas prier pour la grande mission, tu vas prier pour la mission globale. Tu vas dire, oh Dieu, nous prions pour tes missionnaires, fais des grands esprits. Là où ils sont, nous prions comme église, soutiens-le, soutiens-le. Soutiens-le, soutiens-le. Nous prions aussi pour eux qu'ils puissent être rechargés là où ils sont. Alléluia. 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 Nous prions pour que Dieu recharge ses missionnaires. Ceux qui font face aux forteresses des ténèbres. Ceux qui font face aux attaques de l'ennemi. Ceux qui sont dans les pays qui résistent au christianisme alors que nous battons les mains. Seigneur, Seigneur, renforce l'énergie. Recharge. Prie là où tu es. Soda, Shaka, Pora, Pray, Sama, Sokapaya, Rababa. Nous sommes en train de prier pour tous les missionnaires qui sont au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, au Gabon. Nous prions pour tous les missionnaires qui sont au Tchad. Nous prions pour tous les missionnaires qui sont en Algérie. Nous prions pour ceux qui sont au Maroc. Ceux qui sont en Tunisie, en Égypte, nous prions pour ceux qui sont dans le Moyen-Orient, à Dubaï. Nous prions pour ceux qui sont en Chine, en Inde. Nous prions. Nous prions. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ça. Saba. Rababa. Rabababa. Rabababa. Rababa. Rabababa. Prie! Que Dieu soutienne son église. Que Dieu soutienne ses serviteurs.
Et aussi, ils ont besoin d'être rechargés. Recharge les missionnaires. Ils sont dans des fleuves. Ils sont en train de marcher à pied. Recharge les missionnaires. Recharge. 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 Chara. Ceux qui sont en Haïti, recharge-les, Seigneur. Recharge. Ceux qui sont en Haïti, nous prions. Ceux qui sont au Sénégal, nous prions. Nous prions. Nous prions. Amen. Nous prions, oh Dieu. Nous prions. Il y a des gens qui sont... La Bible déclare les peuples qui vivaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Oh Dieu, fais en sorte que les missionnaires que tu as envoyés, là où il y a les ténèbres dans les nations, dans les villes, puissent être rechargés par ta puissance, par ta parole, par ton onction. Oh Dieu, nous prions, nous prions. Nous prions pour ceux qui doivent gagner les âmes. Ceux qui sont envoyés pour gagner les âmes. Les gagnants des âmes. Les gagnants des âmes. Oh Sharaba. Zanala Porobo Sakapaya Rababa Rababa. Pray. Au nom de, au nom de, la Bible dit quand nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter, j'aime la version parole vivante qui dit, contre les agents du quartier général du diable. Sachez que chaque église ne lutte pas dans la chair, mais lutte avec les agents du quartier général du diable. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Va les mains, dis avec moi, au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, je bats les mains, je détruis toute forteresse spirituelle, qui s'oppose à la croissance de l'œuvre de Dieu, à l'expansion du royaume de Dieu. Bats les mains, dis à l'expansion du royaume de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à battre cela, à détruire cela au nom de Jésus. Sakapa. Nous prions contre toute force qui s'oppose à la croissance des églises au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Toute force qui empêche la croissance au Dieu des âmes au nom de Jésus. La Pora Kaba. Nous prions. Au nom de Jésus, contre toute force qui s'élève. Nous battons les mains. Rabada, Zaraba, Zaraba, Zarababa, Zaraba. Au nom de, au nom de, dis avec moi, au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous te demandons, alors que nous battons les mains, de te déplacer, et de mouvoir sur le Tchad, sur le Niger, Nous prions au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, mouvois-toi, circule. Sur la Tunisie, sur le Maroc, au nom de Jésus, apporte la paix
Alléluia. Alléluia. Parfois, nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de notre prière. Alléluia. Parmi les secrets de la prière, il faut que tu apprennes aussi à prier pour d'autres personnes. Donne-moi un amen bien. Il y a des gens qui sont en Tunisie. Ils ont besoin de la paix. Que le Saint-Esprit circule en Tunisie, au Maroc, au Tchad, au Niger. Cite les noms des pays que tu connais. Pas ton pays à toi, mais cite les autres pays. Que le Saint-Esprit apporte la paix en cette saison. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. La paix en Haïti. Saint-Esprit de Dieu. Shara. Parababa. Partout là où il y a des troubles et des confusions, apporte la paix. Apporte la paix. Nous prions pour le Tchad. Nous prions pour le Niger. Nous prions pour la Tunisie. Nous prions pour le Maroc. Apporte la paix. 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 Seigneur, Kaya, Saba. Est-ce que je peux prier? Je commence à avoir envie de prier maintenant. Je commence à avoir envie de prier maintenant. Je commence à avoir envie de prier maintenant. Apalamanda, Zapalamama, Mapalabaya, Apalababa, Sapalababa, Kapalabababa, Sapala, apporte la paix. Nous prions pour le Niger, nous prions pour le Tchad, nous prions pour la Tunisie, nous prions pour le Maroc, nous prions pour l'Haïti, nous prions pour l'Algérie. Apporte la paix, apporte la paix, apporte la paix, apporte la paix. Les peuples sont troublés, les gens sont troublés, les ténèbres règnent là-bas, oh Dieu. Apporte la paix, Esprit de Dieu. Sabada, Sababa, Kurabada. Suraba, Shaya, Shia, Pura, Sura, Kera, Kara, Kaba, Sura, Para, Mea, Kura, Zera, Para, Kara, Sura, Paya, Kura, Sura, Kea, Aya, Aya, Ea, Aya, Aya, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Au nom de, au nom de, dis avec moi, au nom de Jésus, je prie, je bats les mains, nous te demandons dans la prière, Seigneur, ouvre la porte pour l'évangile en Algérie. Dis au nom de Jésus, nous battons les mains, nous demandons en prière, selon qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez, en priant en mon nom, mon Père vous l'accordera, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Nous battons les mains, nous demandons au Père d'ouvrir les portes de l'Évangile pour l'Algérie. Pour l'Algérie, pour l'Algérie, pour l'Algérie. Ô Père, ô Père, ô Père, ouvre les portes pour l'Évangile de l'Algérie. Au nom de... Au nom de... Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Pray. Saka. Karaba. Seraba. Sanaraba. Shirababa. Suraba. Saraba. Rababa. Saraba. Paraba. Suraba. Shiraba. Kara. Sura. Kara. Paraba. Kura, Sara, Sura, Pura, Karaba, Suraba, Sara, Karaba, Puraba, Kara, Ekara, Puraba. Pray! Ouvre les portes. Ouvre les portes.
Au nom de... La Bible déclare dans le livre de Jérémie 30, le verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser. Cette Sion dont nul ne prend soin. Jérémie 30, 17. La Bible déclare, mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser. Cette Sion dont nul ne prend soin. Nous sommes en train de prier toujours pour les missionnaires. Nous allons prier pour une nation qui nous tient à cœur, Haïti. Nous allons demander à Dieu de guérir la nation haïtienne. Que Dieu puisse guérir le peuple d'Haïti. Que Dieu puisse donner la solution de manière économique à l'Haïti. Que Dieu donne la solution de manière éducative à l'Haïti. Que Dieu restaure la culture de Haïti. Au nom de... Au nom de... Nous allons demander à Dieu de panser la plaie de Haïti. C'est une nation qui souffre. Mais Dieu a dit, je te guérirai. C'est Dieu qui parle. Il dit, moi Dieu, je te guérirai Haïti. Dieu parle, qui va panser tes plaies. Nous sommes en train de battre les mains. Nous sommes en train de dire, Dieu, souviens-toi de Haïti, la repoussée. C'est ton pays. Au nom de Jésus, battons les mains, nous sommes en train de prier. Pray. Sakapa, Sanada, Sadaba. Guéris Haïti. Guéris Haïti. Guéris cette nation. Pense le plaies. Nous prions comme église. Nous prions comme les intercesseurs. In the name of Jesus. Souviens-toi de ton peuple. Au nom de... Acclame le Seigneur une fois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur royalement? Maintenant, nous voulons prier pour ton travail et ta carrière professionnelle. Nous voulons maintenant prier pour ton entreprise et tes projets. Dis avec moi, mon Père, sois sérieux. Tu as besoin d'être rechargé même dans ton travail. Tu es employé, tu es responsable d'une entreprise, tu as une carrière professionnelle, tu aimes ce travail-là. Ce n'est pas à nous de te dire de quitter, d'aller X, Y, mais nous prions maintenant pour que Dieu te recharge dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des capacités. J'entends quelqu'un qui me dit « Amen ». Dis avec moi, mon Père, mon Père. Bah, les mains, dis avec moi, mon Père, mon Père. Je ne suis pas satisfait de tes mains et de tes mains. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as donné des dons. Tu m'as donné des talents. Tu m'as donné des capacités. Alors, je bats les mains. Je prie. Je déclare en cette saison mes dons, mes talents, mes capacités. Vont produire. Jusqu'à ce que je sente que tu es concentré. Dis, au nom de Jésus, je bats les mains. Je déclare, au nom de Jésus, mes talents, mes dons vont produire. Commence à battre les mains au nom de Jésus-Christ. Scapa, scopara, scapara. Skorapa, skorapara, sorapa. Pray! Oh, pray! Saparaba.
nom de. Au nom de. Elle prend l'enfant alors qu'elle est en train de fuir. Elle dépose l'enfant parce que l'enfant avait soif. Elle dit, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir la souffrance de mon enfant devant mes yeux. Alors qu'elle jette l'enfant, elle part. La Bible dit, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, je paraphrase, il dit, regarde. Lorsqu'elle regarde, elle découvre une source d'eau. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu n'as pas accès à l'énergie parce que tu es aveugle. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Parfois, tu rates l'énergie parce que tu es aveugle. Tu rates des opportunités parce que tu es aveugle. Alors que l'énergie est disponible, les opportunités sont disponibles, les grâces sont disponibles, mais toi, tu rates parce que tu es aveugle. Dis avec moi, au nom de Jésus. Par la grâce, alors qu'il était dans la route, la grâce était en train de passer. Elle l'a localisé. Aujourd'hui, comme Bartimée, localise-moi. Ouvre mes yeux. Dis avec moi, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie les opportunités pour mon travail, pour ma carrière. Au nom de... Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Soka. Open my eyes. Open my eyes, oh Lord. Open my eyes. Kada. Sada. Open my eyes. Sada mada 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 mada. Sadaba. Open my eyes, oh Lord. Je rate des opportunités, je rate des grâces, je rate des connexions parce que mes yeux sont fermés. En cette saison de recharge, oh Dieu, que l'énergie que je vais entrer dans ma vie puisse ouvrir mes yeux. Pray! Chaka, para, para, para. Sora. Kara. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Les yeux spirituels, les yeux physiques s'ouvrent alors que tu bats les mains. Manama, Zabara, Zaraba, Zaraba, Zaraba. Sura. Sadaba. Pray. Au nom de. La Bible déclare, je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je bats les mains. Je déclare, je reçois l'esprit de sagesse et de connaissance pour mon travail, pour mon entreprise. Oh, pourquoi tu ne pries pas bien pour ton entreprise et ton travail? La recharge que tu reçois, elle est spirituelle. Mais elle doit se manifester de manière séculière dans tout ce que tu entreprends. Dis avec moi, mon Père, je reçois l'esprit de sagesse, de révélation pour mon travail. Au nom de, dans mon travail, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, viennent habiter en moi. Au nom de, c'est grâce à l'esprit de sagesse, d'intelligence et de révélation, que tu vas battre tes maîtres. Non, tu ne m'as pas donné un amen. C'est à cause de l'esprit de l'intelligence et de la sagesse et de révélation qui sont des caractéristiques d'un grand esprit qui feront en sorte que tu puisses battre ton directeur. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Injustement, on t'a mis en bas.
On ne signe pas de gratification. On ne fait pas de promotion pour toi. Mais Dieu te donne l'esprit d'intelligence, de sagesse et de révélation. Pour que lors d'une réunion, que le comité d'entreprise puisse voir que cet homme a quelque chose de supérieur. Lève les mains. Salaba, Iragababa, Surabadada. Commence à prier en langue. Lève la voix. Prie en langue. Suraba, Kaboraga, Kerebush, Kanaraba, Soka, Poraka, Soraka, Teraba, Kaporaka, Apane, Sakapaya, Ratetoka, Surakepea, Rotekapoya, Tranderekapa, Sopara, Karabo, Tereka, Totegeteke, Sokapora, Kandereba, Saya, Sapara, Paraba, 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 Para, Kera, Araba, Sura, Rade, Soka, Paya, Ashanala, Satanaba, Soraba, Seka, Pora, Kerebo, Sade, Soka, Pare, Seke, Pora, Sone, Kereba, prie en langue, prie en langue, Soro, Sopa, Sona, Araba, Rababa, Seka, Sora, Soya, 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 Paya, Raba, Soka, Pora, Soka, Sode, Para, Shende. Au nom de, acclame le Seigneur là où tu es. C'est une grâce pour nous d'avoir passé 1h30 dans la présence du Seigneur. Il est 13h30, heure de Kinshasa. Certainement, une autre réalité là où vous êtes par rapport au fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre première session de guerre de midi. Viendra 20 autres sessions qui viendront. Nous avons tout à l'heure la plénière qui va commencer à partir de 16h, heure de Kinshasa. Donc, c'est dans moins de 2h30 que nous allons commencer. Mais aussi, à minuit, nous avons la guerre de prière. Dans la guerre de minuit, plutôt, nous allons prier parce que Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, tu as été béni par ce service. La régie va m'aider à mettre le QR code. Tu veux mettre ton offrande pour dire à Dieu merci pour Recharge 21. Le QR code apparaît là-bas. Vous nous suivez depuis Kinshasa, Brazzaville. Vous nous suivez depuis Bruxelles, Paris, Yaoundé, Cotonou, Douala. Vous êtes en train de nous suivre depuis Djamena. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent depuis le Canada, la France. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez scanner le QR code et il y a le numéro qui passe en bas pour ceux qui peuvent envoyer via Mobile Money, c'est-à-dire Airtel Money, Orange Money et M-Pesa, même à Free Money aussi, vous pouvez envoyer via le numéro qui passe là-bas votre offrande par rapport à Recharge 21. Demain, nous allons, la guerre de minuit, je crois, nous allons mettre en place une adresse mail parce que nous voulons recevoir des témoignages. Nous allons vous envoyer les liens de notre chaîne sur Telegram. Vous allez aussi vous inscrire là-bas. Il y a plus de 6 000 personnes qui sont sur Telegram aussi. Si tu as un témoignage, tu as vu la main de Dieu là où tu es, tu vas juste filmer et tu peux nous envoyer au numéro que nous allons vous envoyer là-bas. Nous serons heureux de le diffuser ici pour que les gens voient ce que Dieu est sur le point et ce que Dieu est en train de faire et les choses extraordinaires que le peuple est en train de vivre. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure à 16h juste pour l'ouverture explosive de Recharge 21. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.